Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Début de l'audit du fichier électoral de la centrale électorale. Audit mené par 5 experts, dont 3 Congolais. Un audit contesté notamment par la CENCO et les CC, les structures de l'Église catholique et protestante qui exigent en même temps la publication des statistiques de l'opération d'enrôlement des électeurs. Le gouvernement congolais a apporté des solutions à la crise des maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Le vice-premier ministre de l'économie nationale s'y est longuement penché lors du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le détail dans cette édition d'information. Situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Les signaux ne sont pas totalement verts après les tueries dans la commune des Maluku. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont saisi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour solliciter son implication. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Début ce mardi de l'audit externe du fichier électoral. 5 experts au total sélectionnés par la centrale électorale pour cette opération après l'appel à la candidature lancé par la CENI. L'objectif de l'audit est d'évaluer les forces et les faiblesses de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Images et commentaires. Pour cette première journée, la séance a commencé par une réunion d'échange avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue de l'appel à la candidature lancé par la CENI a jusqu'au 20 mai pour exécuter cette tâche importante pour la crédibilité du processus électoral en cours. L'équipe chargée de cet audit externe est composée de 5 experts, dont 3 Congolais et 2 de l'Afrique. Cela conformément à la volonté de la Commission électorale nationale indépendante qui a lancé l'appel à la candidature en vue de constituer une mission mixte d'audit externe du fichier électoral composé d'experts nationaux et internationaux. L'objectif majeur de cette opération est d'une part d'évaluer un système actuel d'identification et enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives et d'autre part, de formuler les cas échéants des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. Publication du rapport de la mission d'observation électorale CENCO et CC sur les processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. La MOE CENCO et CC note avec satisfaction des points forts mais aussi des faiblesses de l'opération menée par la centrale électorale. Les structures de l'église catholique et protestante suggèrent à la commission électorale nationale indépendante de publier les statistiques des enrôlés dans toutes les aires opérationnelles. C'était lundi au centre interdiocésain, un reportage. Dans son rapport sur l'enrôlement des électeurs, l'AMO et CENCO et CC révèlent des points forts et des points faibles liés à cette opération menée pendant 4 mois par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Parmi les points forts, la CENCO et les CC notent par exemple la prorogation par la centrale électorale de la période de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans toutes les aires opérationnelles. S'agissant des points améliorés, les prélats catholiques et protestants soulignent entre autres la circulation des matériels électoraux sensibles entre les mains des individus n'ayant pas qualité ou encore l'absence de la publication des statistiques des enrôlés pour toutes les aires opérationnel. Pour les référents Xenga, la démarche n'est nullement une opposition à la Commission électorale nationale indépendante. L'approche ici des missions d'observation électorale est constructive. Donc, à proprement parler, notre travail vise un seul objectif qui est celui de crédibiliser le processus électoral. C'est une incise importante pour nous parce que nous sommes église, comme vous le savez, deux grandes institutions ecclésiastiques. Ce qui justifie notre présence dans un tel espace où se passe à la fois la technicité et la politique, ce n'est pas parce que nous sommes parti politique, ce n'est pas à nous de déterminer qui sera gagnant et qui sera perdant, mais il faut qu'au niveau de l'opinion publique, l'on cerne la nécessité et le rôle d'une mission d'observation électorale portée par les confessions religieuses.
Le rapport constitue l'apport des églises catholiques et protestantes pour un processus électoral crédible et apaisé, a indiqué pour sa part Monseigneur Donancey Cholet. Cette mission d'observation est citoyenne et ces observations se font sur base des standards internationaux pour les élections démocratiques et le cadre légal congolais. Le rapport final d'observation électorale sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la OECD-COSCC, publié en ce jour, constitue la contribution de ces deux confessions, organisations basées sur la foi, à la consolidation de la démocratie en RD Congo. Les deux confessions religieuses ont formulé plusieurs recommandations au gouvernement, à la CENI, aux partis politiques, aux partenaires techniques, mais aussi aux organisations de la société civile. Je l'ai dit dans les titres, le gouvernement a apporté des réponses favorables face à la rareté des maïs qui rongent les espaces Grand Katanga et Grand Kassai. Voilà l'essence des interventions du vice-premier ministre à l'économie nationale après sa mission en Afrique du Sud et en Zambie pour juguler cette crise. Les VPM Vital Kamere a annoncé plusieurs mesures fiscales pour faciliter l'importation, mais également la production locale. C'était lundi lors du briefing presse hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Un mois après sa nomination au sein de l'équipe Samalou Kondé II, le vice-premier ministre à l'économie nationale a passé son baptême du feu du briefing presse. Cette tribune offerte aux autorités pour plancher sur les questions d'actualité dans leur secteur. Le passage de Vital Kamere est l'un de ceux qui s'imposaient face à la crise des maïs au Grand Katanga et au Grand Kassai. Face à la presse, le VPM à l'économie a présenté la recette du gouvernement pour résoudre à court, à moyen et à long terme cette crise qui est tombée tel un couperet. À la tête de l'équipe gouvernementale en mission en Afrique du Sud et en Zambie pour apporter des solutions à la crise, Vital Kamere a eu des mots clairs pour expliquer que l'importation était la solution urgente pour sauver des vies des Congolais. Ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kassai. Ce n'est pas la honte, c'est la responsabilité. Donc ceux qui se réjouissent, ou qui se réjouissaient du fait que nous avons frappé d'embargo de la part des pays amis, la Zambie qui nous a coupé les droits de transit, qui ne va plus exporter vers le Congo, ils peuvent déchanter puisque ça ne sera pas le cas. En Zambie, où il a été signé des accords sur l'importation notamment, ce sont des chargements qui s'effectuent déjà, à rassurer le président de la commission ECOFIN du gouvernement qui a également révélé le prix des maïs. L'État ne doit pas acheter et vendre. Déjà, du fait que vous, pour passer devant ma maison, ou bien pour faire entrer vos produits, vous devez me payer 100 dollars. Mais je vous dis, désormais, puisque ce produit-là est stratégique pour nous tous, vous ne payez rien. Est-ce que ce n'est pas de l'argent sale? Quand un producteur économise, le prix, le maïs importé rendu de Lubumbashi, ce sera 19 dollars transport compris. Quand nous enlevons, quand c'est la taxe zéro. Le VPM à l'économie nationale a apporté des éclairages sur les mesures fiscales prises par les gouvernements pour faciliter cette importation, mais aussi la production locale. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner une taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engins qui entrent dans la chaîne de production des maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Pour accroître la production locale de maïs, il existe un plan d'urgence du ministère de l'Agriculture évalué à environ 1,250 milliards de dollars américains. D'ici mars 2024, a noté le VPM Vital Kamere, les habitants de Grand Katanga et Grand Kassai pourront profiter des maïs produits localement.
Toujours lors du briefing presse, le vice-premier ministre de l'économie nationale a souligné les efforts du gouvernement pour stabiliser les taux d'échange. Vital Kamerhe a rappelé que depuis sa prise des fonctions, les taux d'échange n'a presque pas augmenté. En traitant sur le marché, il s'observe toujours une flambée des prix des produits des premières nécessités. C'est le cas du riz, du maïs, de l'huile, voire du sucre. C'est les constats faits au marché type K, Zikida. Nous sommes dans la commune des Kinshasa. Les commerçants, comme acheteurs, lancent un cri d'alarme. Que ces gens-là viennent ici dans l'émission de Patrick Bouillard, on demande qu'ils nous disent qu'ils ont géré, s'ils avaient bien géré cette contrée de la République démocratique du Congo, nous allons trouver déjà une structure implantée pour continuer à produire. C'est tout ce que nous ils ne vont pas nous dire que non, ils ont géré, les gens sont partis, ils ont transporté machines et hommes et intrants et tout comme par hasard s'est arrêté. Il n'y a pas d'omniscient. Aujourd'hui, le président Magufuli n'est plus, mais la Tanzanie continue à produire. Ça signifie qu'un bon dirigeant, c'est celui qui laisse des traces, qui écrit l'histoire. Il ne faut pas commencer à passer son temps dans le narcissisme pour dire non, moi j'ai fait ceci. Mais il y en a, j'ai entendu non. Moi quand j'ai fait ceci, j'ai arrangé chez moi. Alors, donc nous avons 145 territoires. Mais il faut que dans ces pays, on nomme 145 premiers ministres pour que chacun arrange chez lui. Lors du briefing presse, le vice-premier ministre de l'économie nationale a souligné les efforts du gouvernement pour stabiliser les taux d'échange. Vital Kamerhe a rappelé que c'est depuis sa prise de fonction, le taux d'échange n'a presque pas augmenté. En traitant sur le marché, il s'observe toujours une flambée des prix des produits des premières nécessités. C'est le cas du riz, du maïs, de l'huile, voire du sucre. C'est les constats réalisés au marché type K. Nous sommes dans la commune des Kinshasa. Les commerçants, comme acheteurs, lancent un cri d'alarme aux autorités. Nous sommes au marché type K, connu sous le nom des Zigida en pleine centre-ville de Kinshasa. Ici, les vendeurs comme vendeuses crient à l'aide face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Un sac de semoule de 25 kg qui s'est vendu à 40 000 francs il y a quelques jours se vend désormais à 48 000 francs. Quant au sac du riz de 25 kg dont les prix variaient autour de 42 000 francs, coûte actuellement 52 000 francs. Face à cette situation, les commerçants tout comme acheteurs demandent au gouvernement de trouver des solutions idoines pour le bien-être de la population congolaise. Papa Fati, ça là tout au bon samboka, dollar est quitté, biloko est quitté. Pour toi, ça la bien, tu la banne, la matin à classe. Bénéfice est insulté. Depuis ton maman, je suis venu au Cabonné, 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 je Du côté du gouvernement, le vice-premier ministre à l'économie nationale rassure des efforts de l'exécutif dans la stabilité du taux d'échange pour limiter notamment les spéculations des prix des produits de première nécessité sur le marché.
Dans un autre chapitre, à la recherche des solutions face au conflit Tekeyaka en expansion dans la capitale congolaise, le collectif des députés provinciaux de Kinshasa est allé lundi à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. Auprès de Christophe Mbosso, les élus de Kinshasa ont fait part de leur inquiétude et sollicité dans la foulée l'implication du Parlement pour que cette question soit traitée en priorité par le gouvernement central. Les comptes rendus dans cet extrait sélectionné par Mécha Kouabine. L'Assemblée nationale se joint à eux pour ramener la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. Il a été également question de nos enfants Kuluna pour qu'on trouve une solution afin qu'ils soient intégrés dans la société. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des Kinois et Kinois. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la capitale congolaise auditionné lundi 15 mai par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au sujet des tueries des civils dans la commune de Maluku. Dans ses éléments de réponse, Gratien Tsakala rassure que les forces de sécurité sont déployées sur les lieux pour restaurer la paix. Après 3 heures d'audition devant les membres de la commission PAG et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur affirme avoir apporté des éclaircissements au sujet de l'insécurité aux portes de Kinshasa. Les forces de sécurité ont été déployées en urgence pour établir la paix et l'autorité de l'État, notamment dans la commune de Maluku. Plusieurs mesures sécuritaires ont été entreprises, notamment avec un déploiement intensif de la 14e région militaire de la police nationale, et vous observez également sur le long de la route nationale et même à l'intérieur de certains villages une forte présence de la garde républicaine. En plus de cela, il y a des mécanismes qui vont être mis sur pied pour que sur le plan coutumier, une entente soit faite, des solutions soient trouvées afin que la paix et l'ordre public soient restaurés dans cette partie de la capitale. Je suis déjà satisfait dès le début parce qu'il nous a promis que déjà ils ont mis les moyens auxquels les militaires sont sur le terrain pour restaurer la paix. Et là, je confirme en tant qu'élu de la commune de Maluku, depuis ce 72, nous avons trouvé la paix dans certains de nos coins. Et nous avons demandé au ministre que cette paix puisse revenir dans tous les quartiers, dans tous les quartiers et les coins de Maluku. Parce que c'est ce que la population de Maluku attend. Une assistance sera portée dans un futur proche aux déplacés de ces conflits. Et cette commission va également travailler pour visiter tous les sites où sont logés les déplacés de la commune de Maluku afin de pouvoir les prendre en charge. Ce sont là les quelques pistes de solutions présentées par M. le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et la milice Mubundu ont déjà fait des morts et quelques blessés. Autre nouvelle dans cette édition d'information, à mission de redynamisation de son parti Ensemble pour la République dans la province de Sankuru, Laurent Onyemba a communié avec la population de Lodja, son territoire natal. Le directeur du service juridique de cette formation politique a déclaré aux habitants de Lodja qu'ils ne peuvent
compter que sur le soutien du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, ne vous a pas oublié, il connaît votre souffrance, a déclaré Laurent Onyemba lors de son passage à l'Oudia. Carnet du voyage, Josué Begmazo. C'est ton fils des terroirs qui retrouve la terre de ses ancêtres. C'est aux heures d'après-midi que l'avion transportant Laurent Onyemba Diongandeke a atterri à Lodja, dans la province du Sankuru. À sa descente, il est accueilli par quelques cadres du parti politique Ensemble pour la République. Au sortir de l'aéroport national de Lodja, Laurent Onyemba et sa suite ont été accueillis par des centaines de militants. Ensemble, ils ont sillonné les grandes artères de cette ville, en commençant par l'avenue de la Libération, en passant par l'avenue Général Edinga pour chuter au siège local du parti politique Ensemble pour la République. Mais bien avant son arrivée au siège du parti, Laurent Onyemba était obligé de s'arrêter à chaque fois suite aux sorties des habitants aux coins et recoins pour vivre en live les retours de leur fils, contraint de descendre pour une procession à pied jusqu'au lieu prévu pour son discours. Dans son speech, dans un tétéla bien manié, Laurent Onyemba a dit à la population des Sankuru la place qu'elle occupe dans le cœur de Moïse Katumbi, tout en expliquant les grandes lignes de la vision d'Ensemble et de son leader, Moïse Katumbi Tshiapoui. Dès Lodja, Laurent Onyemba et sa suite ont pris la direction d'autres villes dont Diallo, Katakokoumbe, Lumumbaville et Tchoumbé. Il y a bien des Congolais qui ont réussi à la loterie DV 2024, confirmation faite par le responsable du cybercafé Jafar, connu pour la facilitation à l'enregistrement à la loterie DV. Il a balayé d'un revers de la main le rumeur selon lequel les Congolais n'ont pas été sélectionnés cette année. Suivez. Ce sont des réactions de toutes sortes qui ont inondé la toile quelques heures après l'annonce de la disponibilité des résultats de la loterie DV 2024. Face aux rumeurs sur la non-sélection des candidats congolais, le cybercafé Jafar, réputé pour l'enregistrement des candidats aux loteries DV, est sorti du silence. Plusieurs personnes ont bien évidemment gagné cette année. C'est une information qui a été créée par des gens mal intentionnés, peut-être pour décourager les participants à ces programmes DV. Les gens sont en train de vérifier. Jusque-là, nous n'avons pas encore fini. Mais déjà, pour nous, dans nos cyber, nous avons déjà enregistré environ 330 gagnants. L'établissement s'assure également de la formation des gagnants pour les prochaines étapes. Là, nous avons les gagnants, les gens qui viennent vérifier, qui ont gagné. Nous sommes déjà en train de faire des réunions avec eux pour les préparer pour ceux qui viennent après avoir gagné. Comment est-ce que vous pouvez faire la procédure pour avoir votre visa? Donc nous sommes là dans nos cyber, nous attendons que les gens viennent vérifier. Ce n'est que quand on va arriver jusqu'à la fin, tout le monde aura vérifié ses résultats. On saura vous dire combien de personnes qui ont gagné pour la RDC. Les responsables appellent les Congolais à ne point hésiter et à venir vers leur établissement pour participer à la prochaine édition de la loterie DV. Elle débutera en octobre prochain. Sport. Bloqué au Soudan suite à la guerre, le joueur congolais évoluant au sein de la formation de Al-Hilal Omdurman, finalement rapatrié à Kinshasa lundi via l'aéroport international d'Ndjili après un transit en Égypte. Il s'agit des joueurs Claudie Lilepo, Fabrice Ngoma, Steven Ebouela et l'entraîneur des gardiens Eugène Boulaïma, accompagné de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au pays de Pharaon. Les athlètes ont été accueillis par le ministre des Sports. Il remercie les autorités pour leur implication. Nous, la veille, là, on a joué un match. Le match est terminé un peu tard. On est rentré, moi et le coach Ibenge. Les autres sont allés chez eux. Nous, en rentrant, il y avait des barrières. On voyait quelque chose de louche. Mais on n'en revenait pas. On dit, bon, peut-être c'est quelque chose habituel, quoi. En arrivant chez nous,
le matin, on devait jouer le lendemain. Il y a des, comme des feux d'artifice. Nous, on croyait que peut-être le ramadan est fini ou, parce que c'était pendant le mois de ramadan. Je vois le coach Ibenge m'appeler. Il me dit, Eugène, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'entraînement. J'ai dit, mais pourquoi? Mais toi, tu ne vois pas dehors. Moi, j'ai dit, c'est comme si de feux d'artifice. Il m'a dit, non, non, ce n'est pas le cas. Nous, on a reçu, ils ont reçu un message que donc, le pays était en guerre. Bon, on ne pouvait rien. On est resté à la maison, personne n'a bougé, jusqu'à ce que les bombardements ont commencé. C'est la première fois, moi, comme il y a la vie, aussi six matchs, guerre, en pleine capitale. C'est la première fois, on a la vie, mais Dieu merci, grâce au gouvernement, nous allons le Hawa. Oui, c'est Bandi Bongo, et si la main, et si la quitté, les 8 pays, une semaine, deux semaines, après on a. Banamboka, les Soudanais, les Zongi Bandaku, tout le monde est comme une série. Et puis, tu es moins chaud, tu diriges. Tu es même dans la province, non loin à l'Égypte. Je suis remercié en Zambie. Parce que y a des moutailles bi réalité tout. Sans y aller, je suis toujours en bonne santé. Je remercie le président de la République, Baifa Obasali, ambassadeur. En plus, je remercie aussi beaucoup le ministre du Sport. Il y a vraiment un mouvement pour les autres bandes de l'année, vraiment mingi. Avant d'avoir autant de bisous, on a des abusos dans la morale, donc ça salit vraiment effort. Mesdames, messieurs, ça n'est fini pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.